Cœur de pirate, ein kleines Salut an Sie erstmal. Bonjour. Bonjour. What, a million Facebook likes and 50 million views on YouTube? Yeah. How does that come across that you are even liked here, apart from the French-speaking part of the world? I don't know. I mean, I've been able to tour pretty much everywhere. And I've been very lucky because whenever I play a show somewhere, I usually, sell venues, and it's really good. Obviously, I'm not like huge. I'm known in the French world and the Canadian world, but I've been very lucky thanks to internet. I've been able to do all these like great, venues and play all these countries that I don't think I would have been able to do. And I don't really know how to explain it. C'est vrai que ce que tu fais, ça définit ce que tu es. Donc, pendant longtemps, j'essayais de séparer mon travail de ma vie, puis je me disais, c'est pas ça. Mais finalement, je me suis rendu compte que mon travail m'affectait de plusieurs façons. Quand j'ai pas eu un deal aux États-Unis qui a fonctionné comme je le voulais, je suis rentrée dans une grosse dépression. Je partais en tournée aux États-Unis, puis je me suis dit, pourquoi je fais ça, tu sais? Il y a pas de lien. Peut-être que je suis pas bonne, peut-être que mes chansons sont pas bonnes, peut-être que ça n'a aucun sens de faire ça. Le label s'est fait dissoudre, mais peut-être que finalement, ils n'ont pas voulu continuer avec moi parce que, je veux dire, c'est pas bon ce que je fais. Finalement, j'ai fait la paix avec tout ça. Je pense que Cœur de pirate, c'est pas ce que je suis. C'est quelque chose qui m'accompagne, c'est mon alter ego, c'est un projet. Ça me définit pas. Quand tu fais la paix avec tout ça, puis tu te rends compte que finalement, genre, la célébrité, le travail que tu fais, ce que t'es, personnage public, tu te rends compte que tu peux plus facilement vivre avec ça, puis peut-être avec tes défaites, peut-être avec tes réussites. J'ai arrêté de boire de l'alcool pendant un bout. J'ai essayé de réparer ma vie parce que la tournée, parce que mes défaites personnelles, ça m'a vraiment affectée de plein de façons différentes. Puis une fois que j'ai fait la paix avec tout ça, bien, je me suis dit que ça allait quand même vraiment mieux, puis j'allais être capable de vivre à nouveau. J'ai cru que...